Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 27 juin. Il est 7h30. La matinée de l'info se poursuit avec sans plus attendre une nouvelle édition en direct donc du journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité tout d'abord en ce mercredi, ce sont bien sûr aujourd'hui les soldes qui démarrent partout en France et bien évidemment également dans la métropole lilloise. Durant un mois jusqu'au 31 juillet exactement, la plupart des magasins vont baisser leurs prix et afficher des réductions allant parfois jusqu'à moins 70%. Nous sommes allés hier dans les réserves du centre commercial Euralille pour suivre la préparation de ces soldes décisifs pour les enseignes. Car après un printemps maussade, on peut le dire du point de vue météo, il reste beaucoup d'articles d'été invendus que les magasins vont solder. Les équipes ont donc parfois travaillé jusqu'à minuit hier pour tout préparer et étiqueter les fameuses pastilles pour indiquer aux clients la remise concernée. Tout sera donc prêt ce matin à l'ouverture pour les premiers clients, comme a pu s'en apercevoir Clément Carion hier avec Arnaud Camara, responsable du non-alimentaire à Carrefour, donc à Euralille. Je vous propose d'écouter certains de ces clients hier déjà en repérage pour les soldes. Les soldes, ça m'intéresse parce que je suis étudiant et donc... de ce fait, pas forcément beaucoup d'argent. Lycée repérage, non. Je viens faire des courses normales. Par contre, là, je viens dans ville. Et là, par contre, j'ai fait des repérages dans des grands magasins de la rue nationale, repérer un petit peu ce que j'aimerais et voir demain ce que ça va donner. Ça dépend des soldes, en fait, ça dépend des prix. Si c'est moins cher, c'est plus cher que l'année dernière. Voilà. Je jette un œil simplement et puis on va en profiter, oui, par contre, quand ce sera les soldes. Pour faire des achats, pour en profiter. L'actualité sociale également à la une et les 82 salariés de la société H2D suspendus aujourd'hui à la décision du tribunal de commerce de Lille qui doit rendre son verdict tout à l'heure vers 17h. La liquidation judiciaire de l'entreprise sera très certainement prononcée et les employés se sentent ainsi trahis par leurs anciens dirigeants. Ils leur reprochent notamment d'avoir abandonné le site de production lillois d'Elem au profit d'autres unités basées en région parisienne. Les salariés soupçonnent également le repreneur potentiel de vouloir conjuguer les deux sites nordistes d'Elem donc et de Nieppe en un seul et ainsi ne pas conserver tous les employés. Les salariés réclament une garantie sur le nombre d'emplois sauvegardés et des indemnités de licenciement conséquentes pour les autres. La décision du tribunal sera donc rendue tout à l'heure à 17h. En attendant, écoutez les explications à ce sujet de Michel Leroux, délégué syndical CGT de la société H2D, hier au micro de Pierre Beauville. Les salariés à l'heure actuelle d'H2D sont très déçus, très déçus. On a eu affaire à des patrons où on y a cru, on les a cru jusqu'au bout. Et là, on se retrouve à l'heure d'aujourd'hui avec des patrons, il faut dire les mots, des patrons voyous, j'irais même des patrons voleurs. Et on a été trahis, c'est la vérité, c'est la vérité. Ça n'a pas plu à nos dirigeants, mais pour moi, c'est vrai. Toujours à la une de l'actualité ce matin, le Grand Stade fait bien sûr parler de lui à moins de 2 mois maintenant de son inauguration. Les habitants de Lausanne, les premiers riverains du stade, s'inquiètent du déferlement de supporters les soirs de match et de l'envahissement de leurs rues par les voitures cherchant à stationner aux abords du stade. Pour répondre à leurs attentes, la mairie de Lausanne avait donc organisé une réunion publique hier soir pour présenter le dispositif prévu lors des gros événements. La ville mettra en fait en place un dispositif pour empêcher les véhicules étrangers d'entrer dans les rues de la commune avec des vigiles et des barrières de sécurité aux abords des axes principaux. Seuls les riverains munis d'une vignette jaune pourront ainsi pénétrer dans ce qui ressemblera fort à une barricade les soirs de match. Un dispositif qui ne fait pourtant pas l'unanimité pour l'instant du côté des riverains et surtout chez les commerçants. On écoute certains d'entre eux à l'issue de cette réunion publique hier au micro de Macha Grunessen. Vous êtes rassuré ce soir ? Pas à 100% non. On va voir un peu ce qui va se passer lors des premiers matchs. Hein. C'est sûr que ça va être une contrainte supplémentaire par rapport à maintenant où il n'y a pas de stade. Hein. Je pense que dans le Zen, apparemment tout va être fait pour qu'on ne soit pas embêté. Mais ça sera pour arriver jusqu'à la ville de Lausanne. Je pense que tout autour, tout va être saturé. Bon, la sortie, ça ne m'inquiète pas. C'est l'entrée, les embouteillages pour quand on rentre du boulot. On verra. Faut pas râler tout de suite, on va avoir à l'usage. J'avais pas besoin d'être rassuré, moi je suis grand supporter du LOSC, donc tout va bien. Je vais pouvoir aller au match à pied, puis je vais pouvoir me garer chez moi, donc tout va bien. Allez, on enchaîne dans cette édition avec cette belle aventure pour les élèves de CM2 de l'école Paul Bert de Tourcoing qui vont aller à Londres demain jeudi pour visiter les sites olympiques. Une journée spéciale remportée dernièrement lors d'un concours entre écoles de l'agglomération. Cette classe fait en fait partie du pôle d'excellence EPS et c'est ainsi qu'elle a participé il y a quelques semaines à différentes épreuves sportives face à 18 autres classes de CM2. Au programme saut en longueur, lancer et course, et ce sont donc les petits tourquennois qui se sont imposés sur le podium et donc gagné ce voyage exceptionnel. Au programme de cette journée,
journée demain jeudi. Les élèves vont donc visiter quelques-uns des sites de compétition olympique, mais aussi des monuments emblématiques de Londres, comme Big Ben ou Buckingham Palace. Écoutez les explications à ce sujet de Mounir Belmadi, le directeur de l'école Paul Bert. Et on s'en va donc là le 28 juin, donc rendez-vous à 6h du matin à l'école. On va prendre le shuttle et donc il y a un bus avec lequel, dans lequel on sera avec une autre classe. Et on va aller donc à Londres et il y aura deux temps. Il y a un premier temps, on va visiter les monuments de Londres, donc les monuments historiques, le Buckingham Palace, Big Ben, etc. Et dans un second temps, là on sera beaucoup plus proche du projet, on va aller visiter les différentes installations et infrastructures des Jeux Olympiques de Londres de 2012. Alors on termine rapidement ce journal avec ces images de course hippique hier au Croisé-la-Roche de Marcq-en-Barœul. Dans la course numéro 4, le prix Mona FM, un trot attelé de 2825 mètres. C'est le numéro 14, Rapide d'Épuisé, qui s'est imposé devant le 9, Soleil Sautreil, le 11, Sacha Marboula et le 16, Rumba de Cordée. Voici donc pour ce quartet dans l'ordre hier pour cette course numéro 4, le prix Mona FM au Croisé-la-Roche de Marcq. Je vous rappelle le quartet dans l'ordre. Le numéro 14, le 9, le 11 et le 16. C'est la fin de cette édition, 7h36 sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Restez bien en notre compagnie.